Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Un ciel complètement dégagé du côté de Paris. Il fera 28 degrés à peine, quelques degrés de plus qu'hier. Profitez-en car ça va changer à partir de ce week-end. On est sous l'influence d'une dépression vers les îles britanniques, mais aussi d'un système anticyclonique plutôt vers le sud. Donc on verra cette perturbation ondulée essentiellement sur les régions du nord. Ici à partir de la Bretagne vers la Champagne-Ardenne avec un ciel chargé, quelques ondées très localisées ailleurs du soleil avec un vent de secteur sud. En tout cas vers la vallée du Rhône, et un vent d'autant du côté eh bien, tout simplement du golfe du Lion. On continue avec les températures qui sont réellement remarquables, encore bien au-dessus des normales de saison. L'été se poursuit certainement dans le sud-ouest. On atteint les 34 à Agen, peut-être localement 35 degrés, on verra ça ce soir. On aura 20 degrés à Cherbourg, 22 à Lille, mais tout de même, c'est 28 degrés du côté de Paris ou 29 à Orléans. Ensuite, pour la journée de dimanche, la perturbation est encore là, de la région Poitou-Charentes vers justement la Champagne-Ardenne, la Lorraine, avec un ciel très nuageux, des pluies très localisées, pas de quoi malheureusement nourrir les sols, et à l'arrière un ciel variable, à l'avant un ciel dégagé, avec des entrées maritimes le matin uniquement vers le sud de l'Aquitaine, des entrées maritimes vers le golfe du Lion, tout ça se dissipe. On a aussi cette perturbation qui se morcelle sur place, et un petit vent qui revient par le sud. Ensuite, les températures de cette nuit seront en baisse malheureusement par la partie nord, en hausse partie sud. On aura donc de 10 à 20 degrés, ça reste très doux pour la saison. Ça change radicalement évidemment par rapport à la veille au niveau des valeurs de la journée de samedi, de 19 à près de 32 degrés. On a de l'air beaucoup plus frais qui s'engouffre à l'arrière de la perturbation. Rapide coup d'œil sur les deux prochains jours, on commence par dimanche avec l'influence encore d'un ciel de traîne sur la moitié nord, de la luminosité sur la moitié sud, et ensuite lundi, retour du beau temps pour tout le monde avec 23 degrés sur la moitié nord, 25 sur la moitié sud. Bel après-midi à vous.